Non. J'ai raté mon intérêt. Bonjour. En fait, je m'excuse. Je vais tout ranger. Je m'appelle Joséphine Delamarre. Ah d'accord. Ben, je vais prévenir que vous êtes arrivée. Ah bon? Si on m'attendait. N'hésitez pas à ranger pendant ce temps-là. Ça a l'air sympa ici. Ou non? Ah, chatouille. Sandra. Ah, j'étais sûre que j'étais pas là pour jouer. Je me demande ce qu'ils vont me proposer comme boulot. Si c'est pour tester tous les jeux, je dis oui tout de suite. Les lunettes. Vigile? Oui. Vous ferez la nuit? La nuit, mais quand il fait nuit, c'est-à-dire que ce sera tout éteint dans le magasin, je serai toute seule. Oui. Je préfère qu'il y ait tout le temps quelqu'un ici, c'est plus prudent. Voilà, on va aller voir le deuxième étage. Parce qu'il y a deux étages. On a plus de 2500 m², hein. Ça fait 5 mois qu'on est ouvert, on est les plus gros du groupe. Je ne vous cache pas que c'est un véritable challenge. Dites-moi, tout le monde me parle de vous pour la sécurité. Vous pratiquez un art martial, le jiu-jitsu, taekwondo, c'est quoi votre secret? L'hypnotisme. En fait, quand je regarde quelqu'un bien en face, il ne bouge plus. Ça marche, ça? Vous voulez que j'essaye sur vous? Non, ça va. Ah, il voilà. Va me falloir un GPS. Ah bah je vous dis, hein, c'est le plus grand magasin de jouets de France. Voilà. Alors ici, bon, ben, les caisses, hein, c'est logique. J'aime pas ça. D'abord, j'ai sommeil. J'ai même pas le droit de dormir en plus. J'ai une pétoche. Bon, ça risque rien normalement. Mais si je suis là toutes les nuits, comment je fais pour mener à bien ma mission? C'est quoi ce bruit? C'est quoi? C'est pas possible. C'est sûr qu'il y a un cambrioleur là. Si à ce moment-là, un couteau, il va m'égorger. Ici, je vais mourir comme ça dans le sang. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Ah bah oui, va-t'en à l'araignée paix magique si tu veux protéger le pays des dragons. C'est ma cliente. Non, pardon, je voulais pas vous faire peur. C'est parce que je suis la nouvelle vigile de nuit. Je travaille ici, on a juste oublié un truc. Vous inquiétez pas, on s'en va. Non mais pourquoi vous avez une valise? C'est mes affaires. Je suis pas une voleuse. Viens, ma puce, on s'en va. Mais maman, tu m'avais dit que j'allais dormir quand je dis qu'ils sont venus. Sandra, attendez. Je vais faire un petit tour dans le magasin. Non, Zoé! Comment vous connaissez mon prénom? C'est parce que, en fait, je suis venue signer mon contrat ce matin et j'ai vu votre badge. Vous êtes SDF et vous ne savez pas où dormir, c'est ça? Non, on est à la rue. Depuis combien de temps? Ça fait 3 jours. Avant, on était à l'hôtel, mais j'avais plus de quoi payer. Écoutez, si ça se sait, les services sociaux vont me retirer ma fille, ça, c'est pas possible. C'est juste pour cette nuit, hein? Ah non, mais vous inquiétez pas, je dirai rien. Cette nuit, on dort au pays des jeux, t'es contente? Mais c'est pas le pays des jeux, c'est ton magasin. Elle est marrante. Et à quel âge? 6 ans, en 4 jours. J'ai pas envie qu'elle panique, alors je raconte tes histoires. Bah, je comprends, c'est bien de la protéger, mais... Pardon de vous demander ça, mais avant l'hôtel, vous n'aviez pas de logement? Si, c'était une sous-location. C'était un mauvais plan. Les flics nous ont mis à la rue, on a même pas pu discuter, ils ont mis toutes nos affaires sur le trottoir. Maman, j'ai froid. Ouais, oh, t'as raison, ça caille. Tiens, mais ça... Je vais aller baisser la clim. Tu t'éloignes pas, hein? Ah ben, je viens avec toi, parce que comme ça, je vais rehausser. Oui. On peut peut-être se tutoyer. T'es sûr que c'est là? Ouais. Voilà, c'est ça. On m'a expliqué un jour. Ah ben, génial. Voilà, le voilà. Bah, on dormira avec une grosse couverture. Hein? Attends, on va trouver. Ah, voilà, c'est celui-là. Arrête! Quoi? Le 9, c'est l'alarme incendie, tu vas faire débarquer les pompiers. Ah. Marc, ça peut être sympa, hein. Souvent, ils sont très... Mais non, mais attends, c'est écrit noir sur blanc, là. C'est le numéro 6. Tu sais pas lire ou quoi? Si, je sais lire. Tu sais pas lire, c'est ça? Non, je sais pas lire. Mais attends, Sandra, c'est pas grave, y a plein de gens qui savent pas lire. C'est pas une tare, c'est... Attends, moi j'ai peur. Sandra, je suis désolée. Je suis vraiment maladroite. Pardon. Dans le genre, je mets les pieds dans le plat, je pense que je suis championne du monde. Je m'excuse. Tu veux en parler? Non. T'es sûre? Oui. Mais sûre. Bah quoi, rien
L'école, quand j'étais môme, c'était la cata, voilà. J'ai pas eu de parents, moi. J'ai été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, et puis voilà, je suis jamais restée plus de 6 mois au même endroit. Donc t'as jamais appris à lire? Si, mais j'ai tout oublié. Pour déchiffrer le moindre texte, il me fallait des heures. Puis les autres arrêtaient pas de se moquer de moi, enfin, j'ai fini par plus aller à l'école, quoi. Je comprends, moi, je pense que j'aurais fait pareil. Même ma fille, j'arrive pas à lui dire. S'il n'y avait pas eu Zoé, je pense que j'aurais mal tourné. C'est pour elle que je me bats. Je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Personne ne lui volera son enfance. Mais depuis, t'as jamais essayé d'apprendre à lire? Parce que c'est pas une fatalité. T'as vraiment le sens des priorités, toi? Tu sais, pas de toi pour dormir, tu voudrais que j'apprenne à lire? Ah! Oh non, je suis fatiguée. Ou bien là, on va se coucher. Hé, hey, princesse, tu me le montres, ton château? Attends, je vais vous éclairer. Maman, tu crois que c'était sûr que tu dors? Non? Tadam! Bah dis donc, qu'est-ce que ça doit être quand elle n'est pas fatiguée? Waouh! C'est la plus belle chose de ma vie. Je vais chercher les affaires, d'accord? Est-ce que les policiers vont venir ici? Bah non, ma puce. J'ai peur qu'ils m'emmènent. Non, personne ne va t'emmener. On restera toujours toutes les deux, je te promets. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, t'étais pas obligée de venir avec nous, hein. Oh, bon, moi, ça me fait plaisir, j'ai rien de spécial à faire, puis on peut essayer de régler ton problème d'appart. Non, non, je t'arrête tout de suite, j'ai trouvé une solution pour ce soir avec une collègue. C'est quoi sa solution? Une coloc. Une coloc? Ça veut dire que tu vas être avec des gens que tu connais même pas? Non, mais ça le fera le temps de trouver mieux. Puis, tu sais, c'est pas la première fois. T'as pas envie d'une solution un peu plus stable? Bah, si, mais dans un mois, si on s'est dégagé, ça sera plus facile pour trouver un appart. Ouais, mais c'est que dans un mois. Et en attendant, je sais pas, y a personne qui peut te dépanner. T'as pas des amis ou de la famille? Non. Mais je me suis toujours débrouillée toute seule et jusqu'à présent, on a toujours eu un toit. Mais le papa de Zoé, il est... Il s'est cassé avant sa naissance. Ah, et tu sais pas où il est? Si. Mais ça va pas nous aider, il travaille dans un hôtel aux Philippines. Viens, Zoé, on va être en retard. Bon, bah moi, je vais peut-être pas courir, mais je sens que je vais bien, mais... Je m'en fous, appelez le bus, dites-lui de faire demi-tour. Je suis désolée, c'est pas possible. Juste, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé trop de ça. Mais il est à peine 8 heures. On vous a mis un mot dans le carnet. Le départ de l'excursion en forêt était prévu à 7h30. Oui, bah c'est bon, vous me l'avez déjà dit, mais je sais pas, vous auriez pu m'appeler, non? C'est écrit ici depuis 10 jours. Vous ne savez pas lire? Elle va passer la journée dans la classe de Mme Isabelle. Je vois pas d'autre solution. Pourquoi t'as pas lu mon carnet? Moi, je veux aller en forêt avec les autres. Parce que j'ai oublié. Mais tu sais quoi, en fait, c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, dans le magasin, il y a une course de trottinettes. C'est vrai? Ouais. Et même que celui qui ira le plus vite, eh ben, il aura un super cadeau. Ça te dit? Oui. Je t'aime, ma puce. Allez, vas-y. Allez, Zoé, on y va. À ce soir, ma choupinette. À ce soir. Attends, Sandra, ça sert à rien de s'énerver. Il faut qu'elle comprenne que tant qu'elle ne saura pas lire, elle ne pourra pas s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop! Oh, l'aiguille, ça ne réussit pas. Vous avez des problèmes d'insomnie? C'est qui parle? Viens! Bah, moi. Bah, vous pourriez prévenir que vous n'êtes pas un vrai ours. Excusez-moi, je me suis un peu trop habitué à ce costume. Être ours, c'est devenu ontologique pour moi, mais à mi-temps, hein. Olivier. Je travaille ici depuis 2 mois, je fais des animations. Ah, ok. Ontologique à mi-temps. Moi, c'est Joséphine et je suis vigile à plein temps, de nuit. C'est pour ça. Je comprends mieux vos problèmes de sommeil. D'accord. Dites-moi, vous auriez pas vu une fille qui s'appelle Sandra? Sandra. Sandra. Elle est belle, hein. Sauvage, un peu farouche. C'est difficile de pas la remarquer. Ce qui est plus ardu, c'est de pouvoir échanger avec elle. Vous allez voir. Ouais, on parle bien de la même personne.
Bah, doit pas être loin. Il y a 5 minutes, elle m'a demandé d'organiser une course de trottinette pour sa fille. J'aime tellement son pragmatisme poétique. Elle avait l'air à cran. Il y a un problème? Non, rien de spécial. Olivier, Olivier est attendu au rayon costume. Ah. Ah. Ça, c'est la fin de la pause. Je vais devoir m'appeler. Bah, bon courage. Merci. Hey, si vous la trouvez pas dans le magasin, allez voir dans la salle du personnel. Merci, sympa. Toi, t'es un vrai ou un faux? Tu peux me tenir la porte, s'il te plaît? Bah oui. C'est bon. Merci, mon chien. J'ai vraiment pas eu le temps. C'est bordel. Je suis content de passer me voir après. Heureusement que j'avais votre adresse au travail. Hein, parce que comme vous répondiez pas à mes courriers, moi, je me suis inquiétée. Pourquoi vous n'avez jamais rempli les dossiers d'aide au logement que je vous avais donnés? Mais qui c'est celle-là? Qu'est-ce que j'ai vu? Elle n'est même plus là, mais vous dormez où avec votre fille? Vous pouvez m'expliquer un peu? Ouais, mais en fait, je suis désolée, c'est parce que j'ai déménagé. J'ai trouvé un studio. Un studio, mais c'est assez grand, ça, pour deux? Ah ouais, c'est très bien. Non, non, je vous assure, ça va. C'est juste à côté de l'école de Zoé. Du coup, c'était plus simple comme ça. Vous pouvez me donner l'adresse, là? Ouais. Wouhou. Alors, 12 rue Danton. 12 rue Danton, c'est quel arrondissement ça? C'est le 6e. Ah, vous allez bien là? Je suis rassurée. Allez, je vous souhaite bon courage. Merci. Au revoir, madame Lafont. Oh, pardon. Bonjour, madame. Bonjour. Et au revoir, madame. C'était qui? L'assistante sociale. C'est quoi cette adresse que tu lui as donnée? J'écoute au porte-toi. C'est quoi? C'est celle du pédiatre de Zoé. Mais c'est n'importe quoi. Si elle découvre que je suis à la rue avec ma fille, elle va direct la placer dans une famille d'accueil. Ok. Bon, faut que je trouve Mira. Je sais pas ce qu'elle fout, elle devrait déjà être... Bon, on va chercher Mira. Pas étonnant que les services sociaux s'inquiètent, elles mentent tout le temps. Olivia. Oui. T'aurais pas vu Mira? Elle a appelé ce matin, elle reviendrait plus. Attends, comment ça? Je devais la voir, moi. Faut pas lui faire confiance, hein. C'est une vraie mytho. Oh, mais... Ben pourquoi? Pour rien, c'est... Pour rien. Bon. Putain. Merde. Hey, Mira, c'était ton plan coloc, c'est ça? Je sais pas comment je vais faire, je sais même pas comment la joindre. Je comptais sur elle, moi. Ouais, toi, t'habites où? Tu veux pas juste pour une nuit? Moi, bah dis... Disons que c'est un petit peu compliqué en ce moment, parce que c'est pour ça que j'ai accepté ce boulot de nuit. Attends, toi aussi, t'es à la rue? Plus ou moins, mais en ce moment, c'est plutôt plus que moins. Oh merde, on est condamné à rester là? Ah bah non, tu peux pas. L'assistante sociale, faut trouver une solution. Sinon, elle va te prendre ta fille. Ouais. Ouais, t'as raison. Faut que je me bouge. Tu veux pas aller acheter une boîte aux lettres? Une boîte aux lettres? Ouais. Merci. Mais pour quoi faire? Une boîte aux lettres? Il y a quelqu'un? Non, il y a personne, mais c'est n'importe quoi. Si l'assistante sociale m'envoie une lettre, moi j'ai une solution. Une lettre que tu sauras même pas lire. Mais ça marchera jamais. Est-ce que t'as une meilleure idée? Oui, t'as jamais pensé à trouver un appart pour ta fille et toi, au lieu de vivre comme ça au jour le jour? Toi, tu fais quoi, toi? T'as pas d'appart non plus? Mmh. Oh, moi, j'ai pas d'enfant à charge. Là, t'es dans un bateau qui coule et tu colmates avec des rustines. Ça a peut-être marché jusqu'à maintenant, mais tu cours à la catastrophe. Bah, alors, propose quelque chose, puisque tu sais tout mieux que tout le monde. T'as jamais pensé à faire les petites annonces dans les journaux? Bah oui, t'as raison, j'ai toutes lues en long, en large, en travers. Excuse-moi, j'avais oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, dès demain, je prends le journal et je nous repère plein d'appartements à visiter. Et après ça, je t'apprends à lire. Ok. Il faut que j'aille chercher Zoé. Tu peux ramener ça au magasin, je les ai pris là-bas. Il y a quelqu'un qui vole les télécommandes. Il nous fait le coup tous les jours, on va bien finir par l'arrêter. Hein, mais... Je savais pas qu'on risquait sa vie en travaillant dans un magasin de jouets. Attends. C'est dingue ça, tu mets 20 personnes dans un lieu clos, c'est l'entropie. Hé, tu peux parler avec des mots simples. C'est marrant ça, c'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me le dit. En même temps, j'ai fait 7 ans de philosophie, donc c'est pour ça.
Ah, d'accord. Je comprends mieux. Pourquoi je comprends pas? Enfin, je me comprends. Un truc qui n'a rien à voir. T'aurais pas un plan pour un appart? Des plans pour des... Non, j'ai pas de plan. On dit de moi que je suis un anticonformiste. Anticonformiste, je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est pour une copine. Attends, t'as pas remarqué qu'on ramène toujours tout aux questions matérielles? Alors, en vrai, que savoir qui je suis, où vais-je, quel est le sens de la vie, tout ça, c'est peut-être ça les pas priorités. Non, non, là, il est là. Je l'ai. Je l'ai. On n'a pas arrêté le coupable, mais on a l'arme du crime. Olivier! Oh, mon petit cow-boy de l'espace, comment tu vas? Trop dur de sauver la galaxie. Ça va être toi la course de trottinette? Ouais, on va y aller, t'es la dernière candidate. Allez, on y va, t'es prête? Super prête! Allez, go! Alors, 1, 2, allez! Attention, je vais te rattraper! Il est sympa cet Olivier, non? Ouais. Enfin, il vit un peu sur notre planète, mais... Bon, c'est vrai qu'il plane à 2000, mais il s'entend bien avec ta fille, en tout cas. En plus, il a fait beaucoup d'études. Pourquoi tu ne demandes pas de t'aider? Bah, déjà, faudrait que je comprenne ce qu'il dit. Bah, si tu fais un effort, tu vas comprendre. Faut sortir ta bulle. Quoi? Quelle bulle? Non, mais on dirait que tu fais pas confiance aux autres. Si tu crois que c'est facile d'avouer aux autres que tu sais pas lire. Les gens te regardent comme si t'étais débile. Vis-le et après on en reparle. Trop fort, j'ai rien pu faire. C'est quoi le cadeau? C'est une grande glace. La coupe pirate? Avec de la fraise, de la mangue et des amandes? Oui. Maman, t'es trop géniale. Mmh. Mais tu sais ce qu'ils font les pirates avant de manger des glaces? Non. Bah, ils vont faire leur devoir. Et moi, je vais travailler et puis je te rejoins dès que j'ai fini. D'accord. Merci. Je t'en prie. Elle a tout compris au principe du bonheur, ta fille, hein? C'est se contenter de l'essentiel sans chercher plus loin. Mmh. Sûrement grâce à toi. Mmh. Pardon, faut que j'y aille. Les enfants qui m'attendent. Hop, tu passes par le haut. Et c'est ensuite que tu mets ça. Sinon, ça tient pas. J'ai rapporté les munitions. Alors, ça avance? C'est bien, tu vois que ça arrive. Hop, tout ça magique. Avance bien, j'ai un tout petit peu embrouillé. Si vous faites là? En fait, je fais vigile de jour. D'ailleurs, faudrait que je vous parle de mes heures sup. Ouais. Mais c'est quoi tout ça? Ben, c'est des sabres magiques qu'on est en train de fabriquer pour aller sauver la princesse Alexandra, qui est dans la prairie des haricots pour arracher les enfants aux méchants. Parce que si on vient pas là avec nos sabres, ben, ça va. Elle va mourir. En fait, c'était juste une idée pour occuper la petite parce qu'elle faisait une crise de nerfs et du coup, je. Mais c'est génial comme idée. Vous devriez vous occuper des enfants plus souvent, hein. Vous avez un super don avec eux, hein. Ouais. Mais pourquoi vous organisez pas des petits spectacles? Hein, vous pouvez même utiliser le château, il sert à rien. À l'intérieur, il y a plein de place. Venez, je vais vous montrer. Non. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est pas une bonne idée parce que là, on est en vue de tout le monde et ça peut attirer la clientèle. Vous allez pas faire du réassort toute votre vie, hein. Allez. Non, c'est juste que là, je peux pas parce que je dois finir les sabres avec les enfants. Tata. Avec votre imagination, vous pourriez même écrire des mini-pièces que les enfants joueraient devant les parents. Hein, ça ferait connaître le magasin. Oui, j'ai pas le temps avec le boulot que j'ai. Non, mais le temps, ça, je vais vous en donner. Hein. Passez me voir au bureau juste après. On en reparle. Hein. Moi, je voudrais que mon sabre s'éclaire. Tu veux que ton sabre s'éclaire? Bah, pas de problème. Waouh! Comment t'as fait? Ah ben, je fais comme ça. Ah mince, je l'ai éteint. Tu m'aides? Et voilà, ça. Waouh. Moi aussi, tu m'invites à ton anniversaire. D'accord, mais j'ai déménagé. Où ça? Dans le magasin du jour où travaille ma maman. C'est bizarre. Chut, c'est un secret. C'est quoi ce secret? Rien. Elle a pas de maison, maîtresse. Comment ça? Avancez, rentrez, allez vous asseoir. T'habites où, Zoé? Avec ma maman. Mais t'habites où avec ta maman? Va t'installer, ma puce. Attendez-moi, j'arrive. Soyez sage. Philippe! La petite Lafond, elle vient de dire à plusieurs de ses copines qu'elle habite dans le magasin où travaille sa mère. Ben, c'est peut-être juste des histoires? Non, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. La mère est très présente avec sa fille, mais elle semble un peu fragile. Bon. Je vous conseille que je joue après la récré. Ok.
Bon, il y en a un qui a l'air pas mal, là. Un deux pièces de 28 mètres carrés, mais c'est au cinquième étage sans ascenseur. En même temps, les escaliers, ça forme la jeunesse. Et puis, tu sais, tu me trouveras un appartement au dixième sans ascenseur, je le prendrai aussi. Hein. Ouais, sauf que 10 étages, ça fait beaucoup. Mais t'as quand même conscience que j'ai aucune chance. Je suis au SMIC, même pas en CDI, jamais un propriétaire me fera confiance. Mais qu'est-ce que tu peux être défaitiste? De toute façon, tu peux pas continuer à dormir dans le magasin et à galérer comme ça. Comme ça va, jusqu'à présent, je me suis très bien débrouillée toute seule. Oui, bah je te l'ai déjà dit, c'est des solutions provisoires, il te faut quelque chose de solide. Mais tu rêves, ça n'existe pas pour les gens comme moi. Arrête. Quand on veut, on peut, on va y arriver. Allez, hop. Alors, ça a été fait à neuf cette année, hein. Ici, vous avez une très belle cheminée. Oh, c'est sympa. Et là, vous avez un jardin très calme. C'est charmant, hein. Mm-hmm. Vous avez un dossier? Non. Enfin, il vous faut quoi? Ben, comme toujours, fiche de paye, avis d'imposition, caution. Si vous en avez deux, ça serait mieux. Ben, je ne l'ai pas sur moi. Si, tu l'as sur toi. Je l'ai préparé ce matin, il est dans ton sac. Heureusement que je suis là. Ah. Sandra Lafont, c'est ça? Ouais. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air parfait. Ça veut dire qu'elle peut l'avoir dès ce soir? En plus, c'est génial parce que son travail est pas loin. Alors, je vous cache pas qu'il y a plusieurs dossiers, il faut que je les étudie tous. J'ai plus de 30 demandes. 30 demandes? Je vous donnerai ma réponse d'ici une semaine. Merci. Je vous raccompagne? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On vient pour l'annonce. Eh, hey, mademoiselle, la fille, c'est derrière. Excusez-moi, c'est bien ici l'appartement à louer? Oui, c'est pour ça qu'on attend. Mais c'est au cinquième étage? Ah oui, il y a une fille, elle monte comme ça jusqu'en haut. Oh la vache! Bienvenue dans la réalité. Zoé, tu habites où exactement? C'est mon secret. Tu as raconté à tes copines que tu dormais dans le magasin où travaille ta maman. C'est vrai ça? Pas. On veut juste savoir où tu dors. Dans un château. Un château? Oui. Et il est où ce château? Dans le magasin. Et pourquoi t'as plus de maison? C'est pas grave, hein, tu sais. Tu peux me dire la vérité. Bon, je vais téléphoner à ta maman. J'aurais jamais su le faire toute seule. J'en reviens pas qu'elle l'a gardé. Ouais, sauf qu'on n'aura pas la réponse avant une semaine. Tu vas loger où en attendant? Bah, au magasin. Le tout, c'est de pas se faire choper, mais pour quelques jours, ça peut encore tenir. Si tu me couvres. À ton avis? Ah. Ça va? Oui. Pardon. Merci. J'ai appris pour ton projet de spectacle, c'est bien. Je pourrais t'aider si tu veux. Ça me fait plaisir, vraiment. Je t'ai offert un petit cadeau pour l'occasion. Hop, je me suis dit que c'était un peu plus original que des fleurs. Ouais, des fois les fleurs, c'est bien. Merci. C'est une vieille édition des contes d'Andersen. Comme t'as bien raconté des histoires, je me suis dit que ça te plairait. Regarde, il y a un petit mot à l'intérieur, je t'ai écrit. Regarde. Ouais, des fois les fleurs, c'est vraiment bien. Ça va, ça te plaît? Pas trop chaud là-dedans? Ah, tu sais, la douleur est aussi nécessaire que la mort. J'ai rien compris. C'est Voltaire. Comment ça a disparu? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'école. Il trouve plus Zoé, elle s'est enfuie. Bah, je suis garé là-bas, viens. Tu vas pas conduire avec ton truc d'ours? De toute façon, j'ai prévenu la police, ils vont la retrouver, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je l'interrogeais pour savoir où elle habitait, puis elle est partie en courant. Pourquoi vous avez fait ça? Elle a dit à sa maîtresse qu'elle dormait dans le magasin où vous travaillez. Moi, je vais poser des questions. Non, c'est à moi que vous devez parler. Mais comprenez, je suis inquiet. Vous habitez où? Mais vous croyez vraiment que c'est la priorité, là? Vous avez fait peur à ma fille, c'est à cause de vous, c'est je de comprends peur. Que vous soyez inquiète, mais calmez-vous.
Attendez, je pense que ça sert à rien de s'énerver, on va essayer de réfléchir calmement. Quand tu lui racontes des histoires, parce qu'elle lui raconte beaucoup d'histoires, s'il y a un danger, tu lui dis de se cacher où ? Oh, l'escalier magique. C'est où ça ? Viens. Bon, bah, on va voir l'escalier magique, on vous tient au courant. Hein. Elle est là ? Comment tu t'appelles ? Zoé ? Maman ! Vous êtes sa mère ? Oui. Bonjour, monsieur. Et vous, vous venez d'où ? Du travail. Non, mais c'est bien. Il est ours, mais à mi-temps, juste temps. Je comprends pas. Je me suis enfuie de l'école. Pourquoi t'as fait ça ? C'est un tout petit peu de notre faute, parce que... En fait, on lui avait donné rendez-vous devant l'école, mais à la porte de sortie. Mais elle a cru que c'était à l'entrée, c'est pas la même porte. Donc on s'est loupé, elle a dû avoir peur. Merci, c'est vraiment gentil de l'avoir. Attendez, excusez-moi, elle a eu peur de quoi ? Elle a beaucoup d'imagination. Je pense qu'elle a dû voir un truc qui l'a effrayé. Voilà, comme tous les enfants, des fois ils font... Ouais, voilà. Et après c'est oublié. Ou alors tu t'es disputé avec une copine. C'est pas très clair. Oui. Madame, je prends votre déposition. Écoutez, c'est quoi le problème ? On l'a trouvé, c'est bon, là, on peut peut-être en terminer, et puis c'est dire au revoir, non ? Vous allez m'expliquer ça calmement, madame, s'il vous plaît. Bon, ben moi, je reste avec toi. Oui, mais on va manger une glace. Oui. On va rester dans le coin. On est juste là, derrière l'arbre. Au revoir. Voilà, tout de suite. Vous avez des enfants ? C'est moi qui pose les questions. Très bien, je vous remercie. C'était bien le directeur, mais votre fille dit qu'elle n'a pas de maison. C'est quoi cette histoire ? C'est rien, ça c'est un jeu. Ah bon ? Vous avez bien l'adresse ? Ouais. Alors donnez-la-moi. Vous avez un logement ou pas ? 12 rue Danton. 12 rue Danton. Vous êtes sûr ? Oui. 12 rue Danton. On vérifiera. Mmh. Bah, très bien. Au revoir, madame. Merci. Merci beaucoup. On y va. Au revoir. Tu me fais plus ça. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Bah oui. T'as pas chaud comme ça ? Bah si, un petit peu. T'es déjà allé à la mer ? Bah souvent. Tu sais, j'ai grandi à 7. Et 7, c'est à côté de la mer. T'as vu des poissons ? Des milliers. J'adore les poissons. Ah oui ? Mais je suis jamais allée à la mer. Bah moi, je t'emmènerai, si tu veux. Ouais, ou ailleurs. Ouais, un bisou. Oh oui. Tu es mon papa ? Bon, t'as déjà un papa ? Il n'est pas là. Maman a dit que c'était un aventurier dans les pays très loin. Et que peut-être il reviendra jamais. Mais moi, je veux un papa qui est toujours là. C'est compliqué, tu sais, ça se décide pas comme ça. T'as qu'à être mon papa ours ? J'ai bien le droit d'avoir un papa ours. Non, j'ai le droit d'avoir un papa ours. De quoi tu parles ? Bah, d'Olivier. J'aime pas bien qu'il soit mon papa. Ça va, ça s'est bien passé avec la police, là ? Ouais, il a juste posé 2-3 questions, rien de grave. Hey, Zoé, j'ai vraiment eu très peur, tu sais. Alors tu dois me promettre de plus jamais t'en faire de l'école. Mais je suis allée sur l'escalier magique, je risque rien. Non, mais l'escalier magique, c'est pour aller dans le monde merveilleux. Ça peut pas résoudre tous les problèmes. Bah si, tu m'as retrouvée. Tu m'en veux pas ? Non. Est-ce que je peux goûter ta glace ? Non. Alors t'as pas un rond et en plus tu fumes. Non mais c'est on bon, rêve je suis stressée. Là. Éteins ça, éteins. Bon, Sandra, arrête tes mensonges. Tu te rends compte qu'avec la fausse adresse que t'as donnée rue Danton aux flics et au directeur de l'école, ton mensonge, il va s'écrouler comme un château de cartes. Non mais t'inquiète, le directeur, je l'ai appelé, je l'ai rassuré. Bah c'est pas sûr qu'il t'ait cru, faut vraiment que tu trouves un toit. Bah oui, bah ok, mais qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi tu ne demandes pas à Olivier ? Il serait peut-être d'accord pour vous héberger 2-3 jours. Tu le vois s'encombrer d'une mère et de sa fille de 6 ans ? Bah de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Puis Olivier, il est sympa, il s'entend bien avec ta fille et je suis sûre qu'il craque pour toi. Non, quand il découvrira que je sais pas lire, il va se foutre de ma gueule et il partira en courant et ce sera pas le premier. Mais ça, ce sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Tu te souviens qu'on commence les cours de lecture ce soir ? Allez, va lui demander. Go.
tu vas fumer. Berk, 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 ça risque pas. Mais non, c'est pas ça. T'es où, là? Non, tu bouges pas, j'arrive. Je suis là dans 5 minutes. D'accord? Je t'aime, Clémence. À tout de suite. Ah, oh, bah t'es là, ça va? Non. T'as l'air bizarre. Non, ça va. Non, faut que j'y aille, moi je suis pressé. À tout. Ça coucou. Va? Alors, ça sert à rien, il a une copine. Comment ça, il a une copine? Elle s'appelle Clémence et il l'aime. Non, c'est pas possible. Rien à foutre de moi. Bah non, je me suis quand même pas trompée, j'étais persuadée qu'il craquait pour Sandra. C'est ça. Eh, celui qui joue avec la télécommande, là, il peut rattraper son nez. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va pas, non. Mais lâche-moi, lâche-moi. Reste là. Allez, hop. Non. Arrête. Mais t'es con, toi. Bon, tu m'énerves. Non, mais ok, c'est la plus forte. Bon. Clémence! Tu te prends pour Lewis Hamilton? Bah alors, c'est nouveau ça? C'est quand même pas sa petite amie. Ah bah c'est à Madame Rabault, elle s'en sert jamais. C'est bien dit au moins. Oh bah c'est pas la peine, elle dort tout le temps. Mais franchement, t'exagères. Je peux pas retourner là-bas, je m'ennuie. Malheureusement, t'as pas vraiment le choix. On est marre avec des vieux. C'est un peu le concept, non? Bonjour, c'est drôle. Oh, c'est marrant ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait. Je venais m'acheter un short pour l'été. C'est ta fiancée? Non. Ah non, non, non. Non, c'est Joséphine. On travaille ensemble. Ah, enchantée. C'est Clémence. Vous savez, Olivier est un garçon formidable. Oui, oui, je sais. Mais vous, vous êtes sa grand-mère? Presque. Je l'ai connue à la Paloma, la maison de mon défunt mari. C'est là où j'habitais, avant d'aller en prison. Clémence vit dans une maison de retraite. Je me suis échappée. Et d'ailleurs, on va y aller avant qu'il commence à te chercher. Bon, bah, on vous suit. Allez. Ça va bien, Madame Delage? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Je me demande ça toutes les 2 heures comme si j'étais en prison. Je déteste ce lieu. Je vais mourir. Oh, mais non. Dis pas ça. Si au moins t'avais un appartement, je pourrais venir chez toi de temps en temps. Parce que t'as pas d'appartement? Je squatte chez des potes, je dors sur leur canapé. Ça fait 6 mois que t'as pas de chez toi. Faut que tu te bouges. Ça va, je te dis. Je suis heureux comme ça. Moi, ce qui me préoccupe, c'est toi. J'aime pas te voir triste. Voilà. Il n'y a pas d'appartement non plus. C'est un truc électrique et quand ça tourne vite, ça rafraîchit. Une hélice d'avion? Non. Un ventilateur? Oui. Mademoiselle, vous pourriez m'aider? Oui. Je comprends pas la version sur laquelle ils sont en train de jouer. S'il vous plaît. C'est quoi? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, viens, viens. Regardez ce qu'il y a dedans. Des bougies. Donc oui, pardon, je vais regarder. Je vais juste vérifier un truc. Vous pouvez me le lire? J'ai pas mes lunettes. C'est quoi la différence? Ça fait 10 minutes que je cherche comme une folle. C'est quoi la version que vous avez? Famille. Alors, je pense que du coup, c'est la version enfant. Du coup, c'est un peu plus dur. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Sortez vite, essayez d'amener de chez vous. Directeur du magasin. Ah bonjour, pardon. C'est là que le feu a commencé? Ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un qui habite ici. Ah bon? Il y a des bougies d'anniversaire qui ont été allumées là. Et il y en a une qui a dû tomber contre un rideau. Mais surtout j'ai retrouvé ça sous le lit.
Heureusement que votre employé a eu le bon réflexe en prenant l'extincteur. Sinon, le temps qu'on arrive, les dégâts auraient pu être catastrophiques. Ouais. Bon réflexe, oui. C'est sûr. En plus, vous avez neutralisé l'alarme de l'entrée de service. N'importe qui aurait pu rentrer dans le magasin pour le cambrioler. Je suis désolée, je vous jure, ça n'arrivera plus. Je vais trouver une autre solution. Dormir dans le magasin, c'est n'importe quoi. Je vous ai confiance, Sandra. Ça change rien. Le boulot, je l'ai toujours fait. Je suis obligé de vous licencier. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Je suis toute seule avec ma fille. Mais vous comprenez que c'est une faute grave? J'ai pas le choix, j'ai des supérieurs. Je suis désolé. Mais bon, je vais pas porter plainte. Votre intervention a quand même sauvé le magasin. Votre bras, ça va? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Votre magasin est intact! C'est ce qui compte, ma vraie! Tu t'en vas? Sandra! Sandra! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Un incendie. Mais t'es blessée? Ouais, non, ça c'est rien. J'ai été virée. Comment ça t'as été virée? C'est de ma faute, il y a des gamins qui ont joué dans le château, il y avait des bougies dans mes affaires, ils ont mis feu avec. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai plus d'appart. Et depuis 3 jours, je dormais dans le magasin. Merde. Mais ta valise? Ça a brûlé, j'ai plus que ça. Bon, je vais parler au directeur. Non, ça sert à rien. On sait jamais. Sans signer de CDI, je trouverai jamais un appart. En fait, je suis virée. Il m'a dit que j'étais une très mauvaise vigile parce que je t'ai laissé dormir dans le magasin. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis pas faite pour le travail de nuit. Puis maintenant, il y a plus urgent. Hein. Il faut que j'aille récupérer Zoé. Elle a passé l'après-midi chez une copine et je sais pas ce que je vais lui dire. Essaye la vérité. Mais quoi, la vérité? Que je sais pas où on va fêter son anniversaire, que sans boulot, je pourrais jamais trouver un appart, que je sais même pas où on va dormir ce soir, que tout s'écroule dans ma putain de vie. C'est ça que tu veux que je dise? Ça va, calme-toi, on va trouver une solution. Oh, putain, il m'occupe plus qu'elle. C'est qui? L'assistante sociale qui s'occupe de mon dossier. Bah c'est bien, on va pouvoir lui parler, elle va nous aider. Ok, on y va, on y va. Ouais. On y va. Je veux pas qu'elle me retire Zoé. Bah, qu'est-ce que vous faites? On y va, viens. Attends, comme d'habitude, elle se barre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, je cherche mademoiselle Lafont, s'il vous plaît. Un petit moment. Okay. Philippe? Oui. Ah, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le responsable du magasin? Tout à fait, oui. Oui, je suis madame Rabier, je travaille pour les services sociaux. Je cherche mademoiselle Lafont. Mademoiselle Lafont, oui. Parce que la police nous a contactés au sujet d'un problème de logement qui a été signalé par l'école de sa fille. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider. Mademoiselle Lafont n'est plus avec nous depuis peu. Elle ne travaille plus ici? Non, non, non. Maman, pourquoi on ne va pas au magasin? Parce qu'on ne peut plus y aller. Et mon anniversaire, je vais le fêter où? Tu vas voir, on va trouver un endroit encore plus génial. Mais c'est pas possible, j'avais invité mes copines. Salut ma chérie. T'es méchante. Non, attends, elle est pas méchante, non. Elle fait ce qu'elle peut, mais des fois, c'est un tout petit peu compliqué. J'aurai plus jamais de copine. Bon, ça va pas, patate. Moi, je crois que j'ai une idée. Zoé? Ton anniversaire, on va le fêter au bord de la mer. C'est même pas vrai. Bah si, c'est vrai. On va dormir dans la voiture. Et demain, quand tu te réveilleras, on sera à la plage. C'est vrai? Ouais. À la plage? Vous êtes pas sérieux, là? Je suis gêné, tiens. On va voir des poissons? Ouais, on va voir des poissons, on va faire du cerf-volant. On va faire des châteaux de sable aussi. Ouais! Ouais! Ils s'en foutent, je peux rien faire. Bravo, bravo, bravo.
Oh. Hé, Zoé. Regarde, je suis en train d'écrire ton prénom. Hop là. Moi aussi, je peux écrire. Ouais. Qu'est-ce que tu vas écrire? Plage. Allez. Ouais. P. Très bien. L. Vachement bien. Bah, t'écris mieux que moi, dis donc. C'est trop beau ici, hein. C'est génial, en plus on a le soleil. Ils sont trop mignons, hein. Elle va penser quoi de moi quand elle découvrira que j'ai ma livre? Mais attends, elle est intelligente, ta fille. Elle comprendra. Puis tiens qu'à toi d'apprendre. Elle aura honte de moi, ouais. Je supporterai pas. Mais ça va pas, elle t'aime. Si ça se trouve, elle voudra t'aider, t'imagines sa fierté. Tu te rends compte, ma fille de 6 ans y arrive et moi je suis incapable. T'es pas incapable parce que si tu voulais, tu pourrais. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que tous tes problèmes viennent de là? Il tient qu'à toi que ça change. Apprends à lire. Mais j'ai essayé, à chaque fois ça a été la cata. Mais parce que t'as pas essayé avec les bonnes personnes. Moi, je peux t'aider. Et l'autre grand dadé aussi, il demande que ça de t'aider. Elle est douée, hein. Si elle continue comme ça, elle va écrire un roman, ta fille. Le pire, c'est que je pourrais pas le lire. Pourquoi? Comment? Comment ça? Vas-y, dis-lui. Je sais pas lire. Ouais, tu déconnes. Non. Non, c'est vrai, elle sait pas lire. Ah, c'est pas grave. On va lui apprendre, voilà. C'est pas... Bah voilà. Bon, bah ça c'est fait. Je suis sûre qu'à deux, ils seront plus forts pour qu'elle s'en sorte. J'ai écrit « Je suis à la plage avec maman ». C'est bien. C'est Olivier qui m'a appris. Je pourrais t'apprendre si tu veux. Tu dois me prendre pour une conne. Non. Vraiment pas, non. Allô? D'accord. Je vous rappelle. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Le système social. Elle veut savoir où on va habiter, elle m'a donné 24 heures. Bon, on n'a qu'à partir en Espagne. Là-bas, au moins, on sera libre. Tu crois? Ouais. Non, mais vous rigolez, là, j'espère. Non, en roulant toute la nuit, on arrive à la frontière demain matin. Non, mais c'est pas fini, vos conneries, à tous les deux. Je te rappelle que t'as une fille de 6 ans qui est obligée d'aller à l'école. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre la fuite et la cacher dans un coffre de voiture comme un repris de justice? Non, mais oh! Vous allez grandir un tout petit peu, et toi, au lieu d'être ours à mi-temps, tu pourrais être intelligent à plein temps. Non, mais t'as raison, on va retourner à Paris. Ah. Va pas trop tirer ta fille, tu vas voir. Mais arrête, Madame Rabier, c'est pas du tout un monstre, elle essaye au contraire de pas les séparer. J'ai une idée. Oh, je crains le pire. Mais je suis con, je connais une maison, moi. Elle est à côté de Paris, faut que la propriétaire soit d'accord. Bah alors, bah, vas-y. J'en fais mon affaire, ok? Pardon. Non. J'ai mal partout. Même me lever, c'est pénible. T'as rien mangé? Ils veulent m'empoisonner. Bon, on dirait un petit sauté de veau qui a l'air délicieux. On voit que vous avez pas goûté le mien. Bon, écoute-moi. Je t'ai déjà parlé de Sandra et Zoé, tu sais, sa fille. Oui, et il y a quelque chose que je devrais savoir? Non. Non, non, c'est juste une amie. Elle a un problème de logement, comme tu sais, moi aussi. Et vous allez vivre ensemble? Clément, c'est important ce que j'ai à te demander, là. Je voulais savoir si on pouvait aller à la Paloma quelques jours. Juste le temps de trouver une solution, tu vois. Mais c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Mais je vous accompagne. Tout va bien, Madame Delage? Très bien, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Cette maison me manque tellement. Et la maison de retraite, tu vas faire comment? Je les appellerai demain pour leur dire que je prends quelques jours de vacances. Laisse-la, je vais faire. Je vais faire ça. Olivier, tu prends la valise. Évidemment. Zéphine, on y va? Oui, d'abord je prends la crème brûlée. Je vais donner ça à quelqu'un, j'aime pas gâcher. Si tu continues à mentir comme ça, je te couperai les oreilles. Tiens, ça vous dit une petite crème brûlée? Par contre, j'en ai qu'une et attention, ça coule. Clémence, je te présente Sandra. Je comprends, Olivier, vous êtes ravissante. Si je ne peux habiter dans ta maison. Bien sûr, mais je viens avec toi, t'es d'accord? J'ai jamais eu de mamie. Oui. Moi, j'ai pas de petite fille et j'aimerais en avoir une exactement comme toi. Fais attention, Zoé. Mais attention à quoi? Je me suis jamais sentie aussi bien. Oui, mais on va se sentir mal si vos gardiens de prison viennent vous chercher. Allez, oui, allez, allez, allez. Oh là là, Olivier, on voit que tu t'occupes plus du jardin. Je vois qu'adore ça. Ça se voit que personne s'en est occupé depuis un moment. Hein. On peut construire une cabane? Le grand arbre là-bas, il est parfait pour ça. On peut commencer maintenant? On va dîner d'abord, non? T'es sûr que c'est la bonne pièce, ça marche pas? Mais oui, je suis sûr que c'est la bonne. Ça marche pas. Attends, je vais voir, je vais essayer. Oui. Ah ben voilà, il suffit de titiller un peu la serrure. Attendez, je vais vous aider. Tu peux monter choisir ta chambre. C'est immense ici. J'ai tellement bons souvenirs dans cette maison. Elle appartenait à mon quatrième mari. Il adorait cet endroit. Il disait que c'était notre petit coin de paradis. C'est dommage que je ne puisse plus y rester toute seule. Ah bah attendez. On va retirer les draps. Je vais vous aider. Voilà. En tout cas, merci d'accueillir Sandra. Elle a vraiment besoin d'un coup de main en ce moment. Ça me fait plaisir aussi. Et je peux rien refuser à Olivier, c'est un garçon tellement adorable. C'est vrai qu'il est gentil. Bon, il n'a pas trop les pieds sur terre, mais il est gentil. Oh, ça, j'arrête pas de lui dire. J'ai choisi ma chambre. Je parie que tu as pris celle qui... Celle qui est rose. C'est ma préférée. C'est magnifique, cette maison. Tu iras voir l'assistante sociale demain, lui dire que tu as une adresse. Ça va la rassurer. Ouais, t'as raison, j'irai demain. Je vais aller faire les lits. Clémence, vous pouvez me dire si vous les draps? Dans l'armoire. Non, là, c'est la vaisselle. Ben, je me rappelle plus où je le rangeais. Peut-être là-haut? Je peux fouiller? Bien sûr. Tu viens, Zoé? Bon, on continue les housses, là. Alors, Zoé, tu as décidé? Oui, ça y est. Maman, ta chambre, c'est en haut. Je le filme, c'est celle tout au fond. D'accord. Olivier, c'est celle... l'avant-dernière, ok? Ok. Mamie, celle-là, c'est la tienne. Alors, Oli, t'es déjà tard. Et celle-ci, c'est la mienne. D'abord, tu me racontes une histoire. Mais oui. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Et si t'as peur d'un monstre cette nuit, tu m'appelles et je te dirai comment faire. D'accord. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Allez, mon petit, on va mettre ton pyjama. Raconter l'histoire de la montagne en rue. T'es sur mode pause? Je suis amoureux. De moi? Oublie, t'es pas un mec pour elle. Hé, hey, je peux savoir pourquoi? Elle élève toute seule sa fille. Elle est à la rue. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'un ours à mi-temps qui squatte le canapé de ses copains. Elle peut plus vivre comme ça au jour le jour. Ce qu'il lui faut, c'est un mec solide. Bonne nuit. Bonne nuit. Peut-être un peu direct, mais il a besoin d'être secoué. Puis s'il réagit pas, c'est qu'il est irrécupérable. Bon, ma chambre, elle est là-bas. Dormir, parce que c'est pas gagné. Ma mission est loin d'être finie. T'as vu la chambre? Elle est rose. Mmh. Comme dans l'histoire que tu m'avais racontée dans la maison des rêves. Tu te souviens du petit garçon? Oui, il s'appelait Milo. Et il avait une famille. Mais maman... Mmh. Pourquoi moi j'ai pas de famille? Et moi, je suis là, moi. Je sais que t'es là, mais je veux aussi un papa. D'accord, mais alors c'est moi qui choisis qui. Je pourrais t'aider si tu veux. Mmh.
Allez, ma puce, maintenant, faut que tu dormes. Allez. C'est doux, les draps. On va rester longtemps ici. Déjà, profite de cette nuit, on verra demain. Alors, prête pour l'histoire? Oui. Tu veux quoi? Les mots et la chose. Tu me les prêteras? Comment? Je vais t'apprendre à lire, surtout. Merci. De quoi? Pour tout. Le voyage à la mer, la maison. Je me sens bien et ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé. Tu crois qu'on va pouvoir rester un peu? Bon, faut que je demande à Clémence. Je me dis qu'on pourrait s'occuper d'Alicie. Ça lui éviterait de payer sa maison de retraite. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Tu sais, moi je suis prêt à faire des efforts. Pour? Quand je dis que la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne se soucie pas du quotidien, c'est pas parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec les contingences, tu vois. C'est juste que j'avais rencontré personne. Enfin, personne qui pourrait donner du sens à ma vie. Comme aujourd'hui. Ouais, je comprends. Voilà. Je vais aller me coucher. Ouais, je comprends. J'ai une grosse journée demain. Bonne nuit. Dors bien. Ouais, toi aussi. Je m'en fous des contingences, putain. Pourquoi je suis pas dit... Je t'aime. Pourquoi j'ai pas dit je t'aime? Bonjour! Bonjour! Oh, des croissants, quelle bonne idée! Olivier est allé les chercher ce matin. Il s'est levé à 6 heures pour travailler dans le jardin. Ah, ben comme quoi tout arrive, hein. Il est transformé. Vous parlez de quoi? De toi. T'as l'air tellement heureux dans ce jardin. Vous savez ce qu'a dit Montaigne? Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des fleurs. Mais pourquoi t'en ferais pas ton métier? Parce que c'est une passion. Je vais pas en faire un métier. Je vais pas vendre ma force de travail pour faire quelque chose que je pourrais faire gratuitement, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu l'assistante sociale. C'était horrible, elle m'a embrouillée, elle m'a posé plein de questions. Alors je lui ai dit que on avait une maison et que tout allait bien. Bah, c'est plutôt formidable, non? Mais tu rigoles, elle m'a pas cru. Elle sait que j'ai plus de boulot. Hier, je dors dans un magasin, je mets une boîte aux lettres dans un immeuble pour faire croire que j'ai une adresse, et aujourd'hui, j'ai une maison. Non, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a même demandé s'il y avait pas une piscine. Elle vient ce soir pour vérifier que je raconte pas des cracks. Bah, où est le problème? Je lui ai dit que Olivier était mon fiancé et Clémence sa grand-mère. Je suis désolée, c'est sorti comme ça. Si elle apprend que je lui ai encore menti, elle va me retirer Zoé. On n'a qu'à jouer de la comédie, on devrait y arriver. Ouais. Je serai une grand-mère très crédible. Et moi, comme fiancée, ça va, je peux me débrouiller, tu sais. Vous êtes sûr? Mais oui, faut juste revoir la décoration. La maison n'a pas été habitée depuis longtemps. Allez, action! Dis donc, et la boîte aux lettres, si elle est pleine, ça va pas le faire. Ah, tant pis pour le croissant. Mince, la clé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Joséphine, une amie de la propriétaire. Ah bon? Corinne Mariani. Corinne. Ah, ben, Coco et Michel Debord, c'est eux qui m'ont prêté la Paloma. Bah, ils auraient pu me prévenir. Hein. C'est moi qui m'occupe de la maison quand ils sont pas là. Oui, je sais, ils m'en ont parlé, mais le fait, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'on était à une soirée, ils m'ont vu, j'étais pas bien, et ils ont dit, toi, va prendre l'air à la Paloma. Et voilà, vous les connaissez, le cœur sur la main. Parce que vous les connaissez bien? Oui, on se connaît depuis... c'était à la maternelle, Coco, Mimi et Josie. C'était le bon temps, mais bon, ils n'étaient pas mariés, bien sûr, mais c'était génial. Voilà. Bon, ben, reposez-vous bien. Il y a besoin. Au revoir. Au revoir. Tu viens, Savan? Ah, Savan, ils m'en ont parlé de Savan. Ils m'ont dit, mais j'avais pas percuté parce qu'ils me disaient, ça fait waouh, waouh, mais j'avais pas compris que c'était un chien. Savan. Donc, Clémence nous a menti. Elle est aussi barrée que les deux autres. En plus, c'est moi qui ai ouvert la porte. Je vais être accusée de cambriolage si je retrouve mes empreintes.
Ils ont vraiment tout changé de place. Te voilà non plus. Ils ont mis un mixeur. Vous cherchez quelque chose? Le mixeur, je sais pas où je l'ai rangé. C'est normal, vous n'habitez pas ici. Pourquoi vous me dites ça? Clémence, le voisin m'a dit que cette maison n'était pas à vous. Vous pouvez m'expliquer? Bah pourtant, c'était ma maison. Mais mon fils l'a vendue il y a 2 ans pour payer la maison de retraite. J'ai pas assez de revenus et lui non plus n'a qu'un petit salaire. Et vous comptiez nous le dire quand? Je m'étais dit que c'était juste pour quelques jours. C'est pas si grave. C'est une catastrophe, ouais. Imagine les conséquences si l'assistante sociale le découvre. C'était pour vous aider. Je sais que les nouveaux propriétaires sont partis habiter à Lyon pour leur travail, ils viennent jamais. Vous avez bien vu les draps sur les meubles quand on est arrivé. Le frigo qui est vide. Pourquoi tu m'as rien dit? Je suis désolée. Ouais, pas autant que nous. Donc, maintenant, il va falloir l'annoncer à Sandra. On lui en parlera après la visite de Madame Rabier. Bravo, super. Là, j'avoue que, voilà, je m'attendais pas à ça. Mais on va gérer. The towel, c'est quoi? La serviette, ok? Maintenant, touf, paste. Brosse à dents. Non, c'est ce qu'on met sur la brosse à dents, c'est le... Dentifrice. Oui, c'est ça, c'est dentifrice. Alors maintenant, touf, broche. La voilà, Olivier, Clémence, alors. Oui, on arrive. Bonjour, elle est incroyable cette maison. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oh, vous êtes... Oui, ça, c'est une brûlure, ça vient. Donc, je vous présente Madame Clémence Delage. Bonjour, madame. La enchantée. Maison est à elle. Olivier, son petit-fils, est mon fiancé. Bonjour. Et Joséphine, ma mère. Ah oui, on s'est... Oui, on s'est vu. On s'est vu. En fait, j'étais venue au magasin voir ma fille. Ouais. Et moi, c'est Zoé. Oui, oui, Zoé, ma petite chérie, ça va? Oh, mais t'as une très jolie robe, dis-moi. Mais je comprends pas pourquoi vous m'avez pas parlé de cette maison-là plus tôt, au lieu de me raconter des histoires. Enfin, écoutez, une enquête a quand même été diligentée à votre rencontre. Vous saviez ce que vous risquiez? Oui, mais je cherchais des solutions, c'est pas facile. C'est de ma faute. J'aurais dû en parler à ma grand-mère plus tôt, mais j'avais peur de la déranger. Et moi, je pouvais pas l'accueillir parce que j'étais en pleine de séparation avec mon deuxième, son beau-père. Oui, mais enfin, la séparation, et c'est lui qui a tout. Oui, je comprends, c'est compliqué, c'est toujours des situations. Mais enfin, quand même, dormir avec sa fille sur son lieu de travail, c'est un petit peu de l'inconscience. Vous aimez le sauté de veau? Pardon? J'ai préparé un sauté de veau dont vous allez me dire des nouvelles. C'est la reine du sauté de veau à votre place, je goûterai. C'est très gentil, mais en fait, je peux pas rester ici. Non, moi, je vous en prépare une portion à emporter. Pour 2 personnes, l'important, c'est de le laisser mijoter. Vous verrez, c'est très bon. Oui, non, c'est très gentil, mais en fait, je suis juste venue pour voir où habite Madame Lafont et sa fille, parce que, je vous avoue, j'ai du mal à... Elles habitent chez moi, avec mon petit-fils. Ah, et moi. Oui, non, mais tout ça, c'est... Et ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. C'est une très grande maison où il y a de la place pour tout le monde. Non, mais c'est très bien, madame. Mais, tu veux voir la statue dans le jardin? Ah, bah écoute, oui, si tu veux, on fait une visite. Alors, on va commencer par le jardin. Ah, mais je m'attendais pas aussi grand. Oh non, pas lui, c'est pas le moment. Oui? Vous m'avez raconté n'importe quoi. Ah non, c'est pas le genre, mais revenez plus tard, comme ça, il y aura du sauté de veau. J'ai appelé Corinne. Corinne? La propriétaire. Elle vous a jamais prêté la maison. Elle vous a dit ça? Elle est blagueuse, mais vous l'avez pas cru. Bon, arrêtez vos conneries, vous ramassez vos affaires et vous décampez, sinon j'appelle les flics. Bon, bah j'ai pas le choix. Oh, je suis trop forte en hypnotisme. Mais ce mère, il peut s'accrocher. Ma chambre, maintenant. Mince, où je l'ai envoyé? Alors, vous avez vu la... Enfin, le statut, là? Mais oui. C'est ici. Waouh, c'est une très belle chambre, dis-moi. Regarde les fleurs que j'ai cueillies ce matin. Ah, bah t'as fait un beau bouquet, waouh. Et bientôt, on va mettre des poissons partout. Parce que dans la mer, il y a des poissons. Et tu sais ce qu'on va mettre en haut? Non, je sais pas.
Un soleil? Mais non, réfléchis. On est sous l'eau, on va mettre des vagues. Ah, oui, parle pas comme ça. Désolée. Non, mais vous inquiétez pas. Je vois qu'elle va bien, c'est le principal. Tu veux voir la chambre de ma mamie? Ah bah oui, tu montres. Allez. Écoutez, moi je suis ravie et elle va être vraiment très bien ici. C'est une très jolie maison. Le jardin est grand. Ouais. Et puis c'est pas loin de l'école. Ah, c'est bien ça. C'est parfait. Désolée de vous avoir inquiété. Non, mais c'est pas grave. Vous avez des pistes faites là pour votre nouveau travail, vous m'avez pas dit? C'est prévu. J'ai rendez-vous demain dans des agences d'intérim. D'accord, alors vous me tenez au courant surtout. Attendez. D'accord. Vous allez pas partir sans mon sauté de veau. Oui, je le prends alors. Merci, allez, bon courage. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. C'est réussi. Oui. Merci. Merci. Vous avez été super. Au moins, c'est ta mère. Merci. On va commencer doucement. D'accord? J'ai l'impression que je vais me noyer au milieu des lettres. Mais non, il n'y a pas de pression. Il y a quasiment un adulte sur 10 qui ne sait pas lire, t'es pas la seule. On va commencer par le premier mot, c'est quoi les lettres? L-E. Ça, je sais, c'est le. Ouais, après. C-H. Ça fait quel son? Chut. Donc? Le chaboté. Voilà. C'est bien. Enfin, j'ai reconnu sur le dessin. Si, continue. Ce... promène? Non, mais... Mène, se promène? Ouais. Ta? Non, ça c'est un A et un N. Ça fait un. Ouais, ça je le sais en plus. Ça va aller, c'est pas grave. Dans. Là. La forêt. Voilà. C'est un livre pour enfants. Et alors, on s'en fout. Tu vas te marier avec Olivier? Bah, je sais pas, attends, c'est un peu rapide, non? Moi, je veux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ma chérie, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. Gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous dire à quel titre vous occupez cette maison? Oui, on est en habitude d'une amie, Madame Clémence Delage. Cette maison ne lui appartient pas. Comment êtes-vous entrée? Par effraction? Non, je comprends pas, avec la clé. Les propriétaires ont porté plainte pour violation de domicile. Ils vont arriver d'un moment à l'autre pour vérifier que rien n'a été volé. La petite identité, s'il vous plaît. Merci. Ah, ben, il y a d'autres occupants. Ben, on va contrôler l'identité. Merci, on va tout vérifier à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez-y. La puce, ça va aller. Ils disent que la maison n'est pas à vous. C'est vrai, je l'ai vendue il y a 2 ans. Tu savais? On voulait te le dire aujourd'hui. Et toi? On voulait te le dire aujourd'hui. C'est dégueulasse. Bon, on va prendre les pièces d'identité de tout le monde et puis contrôler tout ça à l'intérieur. Allez. Bien sûr, je vous en prie. Madame Debord, la véritable propriétaire. Donc vous êtes allée voir à l'étage? Rien n'a été dérobé, c'est bon? Non, ils ont juste sorti des draps pour la nuit. Je suis désolée, c'est de ma faute, c'est moi qui les ai entraînés ici. Ils ne savaient pas que je vous avais vendu la maison. Oui, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est complètement absurde. Sandra et sa fille étaient à la rue. Bah nous aussi, hein. De toute façon, on était tous... Je voulais juste les aider pour quelques jours. Comme vous n'utilisez pas la maison, je suis vraiment désolée. Ouais, bon, vous gardez vos excuses pour le juge. Violation de domicile, on embarque. Allez, hop. Ah non, arrêtez. C'est inutile, je la connais. Vous êtes sûre? Vous portez pas plainte? Oh non, j'ai pas le temps, il faut que je reparte à Lyon pour le boulot, là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas eu de dommages, donc c'est plus simple comme ça. Vous avez beaucoup de chance. J'espère que vous en avez conscience. Merci beaucoup. Merci, madame.
C'est bien. Messieurs. Monsieur. Merci. Bon, prenez vos affaires, je dois partir. Au revoir. Au revoir. Vraiment désolée, je... Au revoir. La gendarmerie m'a prévenu. Zoé, rentre à l'intérieur. Vous êtes bien foutu de moi, hein. Là, je dois penser à votre fille. Je le fais pas de gaieté de cœur, mais je suis obligée de la placer dans un foyer. Non, vous pouvez pas faire ça, elle a besoin de moi. Non, elle, non, ça suffit. Vous n'avez nulle part où aller. Regardez là, c'est quoi tous ces sacs, hein? À 6 ans, elle a besoin de stabilité. Laissez-moi une chance, je vous promets, je me débrouillerai. Non, 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 je vous fais plus confiance. Depuis le début, vous n'avez pas arrêté de me mentir. Là, ça peut plus durer. Mais je savais pas que cette maison était pas à nous. Dites-lui, putain, que je savais pas. Bon, si j'avais su, je vous aurais pas fait. Arrêtez là. Montrez-moi que vous êtes capable de trouver une solution pérenne. Et là, je vous aiderai à récupérer la garde de votre fille. Mais il me faut des éléments solides, vous comprenez, de vrais engagements. Allez, venez, on va lui expliquer. Bonjour, vous permettez, on en a pour 2 minutes. Je te promets que je viendrai te chercher. Ma petite puce, t'auras même pas le temps de m'attendre. Hein? Puis tu vas voir là-bas, il y aura plein de petites filles super sympas comme toi. Une solution. Tu me fais confiance, Zoé. Bon, allez, faut y aller maintenant. Tu viens? On y va. Ne vous inquiétez pas, je vous appelle ce soir. Je vous donnerai des nouvelles. Je te jure qu'on va vite se retrouver. Je sais pas lire que vous me prenez pour une conne. T'as jamais prise pour une conne. Alors pourquoi vous m'avez rien dit pour la Paloma? Pour protéger. T'étais tellement préoccupée par la visite de la sociale. Je t'ai fait confiance, mais à cause de toi, j'ai perdu ma fille. Je vais t'aider. Bah ouais, tu comptes faire quoi? Qu'est-ce que tu connais, toi, au foyer, aux familles d'accueil? Tu crois que c'est facile d'en partir? Tu sais ce que c'est le quotidien des enfants là-dedans? Ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, ils font plus jamais confiance à personne. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Non mais attends, toi ne rajoute pas, madame, je me mêle de tout. La vérité, c'est que j'aurais jamais dû t'écouter. Mais arrête, d'abord, on t'a pas menti, on n'a pas eu le temps de te le dire. C'est facile de rejeter la faute sur les autres. T'es consciente que tu vas droit dans le mur? Ça fait des années que tu galères, que t'arrives pas à te fixer. Franchement, j'y crois plus à ton blabla. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, hein, trouve-toi une autre fille, une pauvre cloche, là, que tu pourras bien manipuler, mais moi, c'est bon, je lâche l'affaire. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Mais je peux pas l'arrêter, là, dans 2 secondes, voilà. Rien, voilà. Attendez, mais pars pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Mais je sais pas. Sandra, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, toi aussi? Ben, je m'en vais aussi, je vais m'occuper d'elle. Hé, hey, tu me fais quoi, là? T'es pire qu'un pot de colle. C'est bon, t'as fini de râler, là? Hey, je te rappelle que t'as fait une promesse à ta fille de la sortir de là très vite. Alors, faut qu'on s'y mette parce que Zoé, elle t'attend. Mais tu te rends pas compte, je suis au fond du trou, là. Eh ben, c'est génial, c'est exactement l'endroit où il faut être. Parce que quand t'es au fond, tu te donnes un grand coup, hop, pour remonter et t'en sortir. C'est facile à dire, ça. Tu veux pas croire en toi, un peu? À cause de ton illettrisme, mais tu t'empêches plein de choses. Tu t'empêches de tomber amoureuse parce que t'as peur qu'on se moque de toi. T'es prête à accepter n'importe quel boulot. Alors qu'avec ton imagination, mais tu pourrais trouver un job génial auprès des enfants. Mais ça sert à rien. Mais si, fais-moi confiance, fais confiance aux autres. Regarde Olivier, tu lui as parlé de tes problèmes. Eh ben, il est prêt à t'aider. Mais t'as vu le résultat? C'est beau, là, ce que tu dis. Mais en vrai... Mais quoi? La chose la plus importante, c'est que t'as enfin commencé à apprendre à lire. Et grâce à ça, tu vas t'en sortir. Et grâce à ça, ta fille sera fière de toi. Pourquoi tu m'aides, en fait? Hein, les autres, ils se seraient déjà tous barrés. Je suis pas sûre. Mais pourquoi je t'aide? Bah, parce que... Je sais pas. J'ai l'impression que t'es une fille bien. Et c'est pour ça que je vais pas te lâcher.
Par contre, ce serait bien qu'on se batte toutes les deux. D'accord? Bon, allez. On va prendre les problèmes dans l'ordre. D'abord, pour changer, où est-ce qu'on va dormir ce soir? Je sais pas. Je crois que j'ai une idée. Bon, Clémence, ok, on vous pardonne, mais à une condition, est-ce qu'on peut dormir chez vous cette nuit? Bien sûr, on va se débrouiller. J'aimerais tellement faire quelque chose pour réparer mon erreur. Non, c'est pas de votre faute, c'est moi qui fais des conneries. Vous inquiétez pas, hein. On va pas vous embêter longtemps, c'est juste le temps de trouver une autre solution, et puis je vais chercher du boulot, surtout. T'as une idée de ce que tu veux faire? Bah, tout. Du moment que je peux avoir un salaire pour trouver un logement, je vais pas être difficile. Si t'avais une baguette magique, tu voudrais faire quoi? Arrête, Joséphine. Attends, tu peux nous le dire à nous? Oui. Bah, ce que j'aime, c'est être avec les enfants. Ils ont tellement d'imagination. Puis je les vois au magasin. On leur achète des jouets tout faits, ils sont contents et c'est super, hein. Mais en fait, les jouets les plus dingues, ils sont dans leur tête. Il suffit de leur raconter des histoires. On peut dire tout un tas de trucs à un enfant en lui racontant une histoire. Mais bon, ça, c'est pas un métier. Si. J'ai un plan. Quoi, un plan? Faites-moi confiance. Ah, c'est vous? C'est moi quoi? Non, mais c'est vous qui vous amusez avec les télécommandes des jouets du magasin? Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Sandra qui fait un atelier. Comment ça, elle fait un atelier? Elle travaille plus ici? Ah non, mais elle le fait en tant que cliente. Les enfants l'adorent, elle est très douée, vous devriez la réembaucher. Je vais surtout la mettre dehors, ça va pas traîner. Je vous aurais prévenu. Quoi? L'hypnotisme. De quoi vous parlez? Ah, je suis trop forte. Bon, je retourne à l'atelier de Sandra, je vous garantis que ça va être un succès. Hop! Vous pouvez faire des décors derrière les châteaux, hein? Bah oui, moi j'ai fait une tour. Ah ouais, t'as... et lui c'est qui? C'est l'ours, celui qui court très très vite. Waouh, d'accord, il est trop fort cet ours. Et qu'est-ce qu'il fait l'ours? Il a sauvé la princesse Clara. Avec son épée laser, il fait tout. Waouh. Il peut tout faire l'ours. Il peut faire quoi? Et il a réussi à sauver la princesse Clara. Mais elle, elle s'en veut parce qu'elle lui a jamais dit merci. Pourquoi? Bah parce qu'elle a toujours grandi toute seule dans son château. Et du coup, elle se méfiait de tout le monde. Et l'ours, lui, il voulait l'aider à sortir du château pour voir le monde. Mais elle, elle avait tellement peur que... elle lui a dit des choses méchantes et... maintenant, elle regrette. Alors, elle espère qu'il lui pardonnera et... elle tient vraiment à lui. Elle est amoureuse de l'ours? Tous les parents veulent inscrire leurs enfants aux ateliers de la semaine prochaine, sauf que j'ai pas d'atelier, moi. C'est ballot, réembaucher Sandra. Non, mais vous savez bien que c'est pas possible. Philippe, permettez que je vous appelle Philippe. Votre magasin est le plus gros du groupe et vous avez le plus petit chiffre d'affaires, c'est pas normal. Si, c'est parce que c'est le début, c'est normal, ça démarre. Non, ça démarre mollo, si je peux me permettre, et je crois savoir pourquoi. Oui. Vous passez votre temps à jouer avec les hélicoptères, les drones et les dinosaures. C'est pas comme ça que vous allez faire venir du monde. Alors, pardon, je ne joue pas, je teste le matériel. Oui, n'empêche que je suis sûre que Sandra peut faire revenir la clientèle. Mais je ne peux pas la réembaucher. Qu'est-ce que je vais dire à mes dirigeants? Ah bah, je sais pas ce que vous allez leur dire, mais quand ils vont voir votre résultat, ils vont vous dire « Bye bye, Philippe !» Vous n'avez pas le choix. Ils voudront jamais que je la reprenne au réassort. Eh bah, prenez-la comme animatrice. Vous lâchez jamais, vous, hein? Ok, je lui refais un CDD. En CDI, elle en a vraiment besoin pour trouver un appartement. Par contre, moi, le CDD, c'est parfait, si vous revoulez de moi comme gardien de nuit. Mais deux jours. Merci, Fifi.
Je vous adore. Sortez. J'ai trop hâte de le dire à Zoé, mais t'es sûre? Oui, je te dis. Il est tellement débordé d'appels de parents qui veulent participer à tes ateliers que du coup, il signe un CDI direct. Ah, j'y crois pas. Hé, et moi? Pardon. Je t'en prie. Merci. Qui est là? C'est qui? C'est le panda de Zoé. Maman! Je les ai. Tu m'as reconnu? Olivier! Vous êtes tous déguisés pour moi. Oh. Tu viens me chercher? Mmh, bientôt, parce que j'ai trouvé un nouveau travail et on va avoir une maison à nous. Quoi? Ça va aller très vite maintenant. Mais je crois que tu venais me chercher aujourd'hui. Mmh, Zoé, ma chérie, ça je te croirais plus! Zoé, je te dis que ça va aller vite. Laisse-moi. Fais-moi confiance. Pour que Zoé te refasse confiance, il faut que tu lui dises toute la vérité. T'as l'habitude de lui raconter des histoires. Ouais, pour la protéger. Mais maintenant, tu peux lui raconter votre histoire. Écris-lui un mot. Comme ça, quand tu lui manqueras, elle pourra te lire et ça ira mieux. Je viens de vous dire, je sais à peine lire. Comment je peux écrire? C'est vrai, mais tu peux apprendre. On va t'aider. C'est important pour ta fille. Vous pouvez me donner de quoi écrire? J'ai ce qu'il te faut. T'inquiète pas. Rien que ça, ça me fout les boules. Commence par le début. À qui t'écris? Zoé. Tu sais écrire, ça? Ben voilà, ça c'est super. Faut que tu lui parles avec des mots simples qu'elle puisse comprendre. Ça tombe bien, les mots compliqués, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Que je l'aime. C'est un bon début. Tu sais quoi? Tu vas me dicter ce que tu veux lui dire, comme ça tu pourras recopier. Alors, je t'écoute. Je t'aime. Ma petite puce. Ma Zoé. Quand t'es née, j'ai fait un vœu en regardant un beau nuage blanc. J'ai pas le temps de tout marquer là, mais commence par recopier ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Je t'aime, ma petite puce, ma Zoé. Quand t'es née, j'ai fait un vœu en regardant un beau nuage blanc. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Et je voulais te dire comme j'étais fière d'être ta maman. Depuis que t'es arrivée, t'es mon rayon de soleil. J'avais honte de te le dire. Je sais pas lire. Je pouvais pas comprendre les mots dans ton carnet. Je pouvais pas trouver une vraie maison non plus. Mais tout va changer. Avec Olivier, j'ai commencé à apprendre à lire. Joséphine. Ah bah tu dors pas encore, toi. Comment t'es rentrée? Par la porte. Ou alors, peut-être que je suis un ange. Mais ça existait que dans les histoires que maman raconte. Et comment tu l'as trouvée, l'histoire qu'elle te raconte dans la lettre? C'est ma préférée. C'est la première fois qu'elle m'écrit une lettre. Mais tu verras, il y en aura plein d'autres. Mais pourquoi elle m'avait jamais dit qu'elle savait pas lire? Parce que tu sais, c'est pas facile de dire ce genre de choses. Je peux l'aider, moi. Ah bon, ça, j'en suis sûre. Joséphine. Hein? Est-ce que je peux faire un vœu comme maman? Bien sûr. Mais tu sais quoi? Les vœux, ça marche mieux quand on voit des étoiles filantes. Viens voir. Viens. On va voir s'il y en a. Attention. Mais on voit rien, c'est tout noir. Oh, je suis bête. Waouh! Comment t'as fait? C'est magique? Bah, je te l'ai dit, je suis peut-être un ange. Bon, maintenant tu fais ton vœu dans ta tête, mais surtout tu le dis pas. Ça doit rester secret pour que ça marche. C'est trop beau.
Je suis la princesse Joséphine. Quelqu'un veut-il m'épouser? Je cherche mon prince. Monsieur le lion, voulez-vous de moi? Il faut que j'y aille. La maison de retraite a appelé que le lion s'est enfui. Allez, retournez à la Paloma. Ah, je crois bien, on est capable. Bon, attendez, on vient avec toi. Tu t'es couru à la plage ou quoi? Clémence, vous ne pouvez pas rester ici, on va falloir. Allez, viens. Viens, on y va, là, faut qu'on tourne. Viens. Allez me lâcher le bras. Corinne, ils sont là. Vous pouvez la laisser là, elle est très bien. Elle m'a expliqué votre situation. Mais moi aussi, j'ai une fille, elle est très grande maintenant, mais à votre âge, j'aurais fait exactement comme vous si on avait voulu nous séparer. C'est pour ça que j'ai demandé à Corinne si elle pouvait vous louer la Paloma. Vous louez la Paloma? Moi, j'habite Lyon maintenant, je viens plus ici. Et puis le voisin, il ne veut plus s'occuper du jardin. Je crois qu'il a déménagé. Oui. Donc j'ai besoin de quelqu'un. Et puis je préfère que la maison soit habitée. Ah, mais enfin, on n'a pas les moyens. Je suis prête à faire un gros effort sur le prix pour que ce soit dans vos moyens. Marie. Oui. Oh, je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Comme ça, je pourrais venir vous voir. Bah non. Pourquoi non? Bah parce que vous allez habiter ici avec nous. Je veux pas vous embêter. C'est pas négociable. C'est avec toi ou rien. Vous avez de la chance, vous. Bah, toi aussi, Joséphine. Ah bon, j'ai cru que vous alliez m'oublier. Bon, bah, tout est parfait, alors je vais faire préparer le bail. Comme ça, vous pourrez le signer très vite. Merci. Une nouvelle maison, ça se fête. Et cette fois-ci, pas de mauvaise surprise. Enfin, j'espère. J'ai pris une décision. Oh, je crains le pire. T'avais raison. C'est pas parce que c'est une passion que ça peut pas être un métier. Tu vois? Bien sûr, il faut vendre sa force de travail. Ça fait partie du concept, tu vois. Mais c'est pas forcément pénible. Peut-être même que le concept n'est vraiment abouti que s'il y a du plaisir dedans. Et dans cette perspective, tu vois, j'ai vraiment envie de... C'est quoi, abrège, parce que je comprends rien. Je vais être jardinier. Ah ben voilà, quand tu fais court, c'est beaucoup plus efficace. Ouais. T'es le jardinier le plus mignon que je connaisse ici. Ah, je suis d'accord avec elle. Moi aussi, je voudrais te dire quelque chose. Oh là là. Dans une heure, je récupère Zoé. Merci. T'es la première personne qui a cru en moi. Ça, je l'oublierai jamais. Bon, arrête parce que je vais pleurer. Et voilà, allez, champagne pour tout le monde. Oh la vache. J'adore quand ça fait... J'ai eu ta maman au téléphone, ma petite Zoé. Elle arrive tout de suite. Ah. Zoé? Oh, ça va. Tiens, ton petit doudou, tu l'as oublié. Bonjour. Pardon. Bonjour. C'est bien que vous ayez eu le courage de tout raconter. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous trouver une association qui donne des cours de lecture. Merci, j'ai un bon professeur. Moi, je suis sûre que vous allez vous débrouiller très bien. C'est gentil d'avoir accéléré les choses. C'est normal, hein. Vous m'avez prouvé que vous pouviez vous débrouiller. Moi, c'est tout ce que je demandais. Bon, allez, je vais vous laisser toutes les deux. Un bisou, ma poule. Au revoir, madame. Au revoir. Et je vous dis pas à bientôt. Olivier! Olivier! Mon petit crapaud! T'as l'air en pleine forme, toi. Désolée, tu sais quoi? Olivier va venir vivre avec nous. Je sais, c'est moi qui l'ai demandé. Comment ça? Quand j'ai vu les étoiles filantes avec Joséphine, j'ai fait un vœu qu'on habite tous ensemble. Et où t'as vu des étoiles filantes, toi? Je peux pas le dire, c'est un secret. Bon, on va voir ma chambre? Oui. Allez. Il y en a encore beaucoup. 5 cartons. Olivier avait loué un entrepôt pour mettre ses livres. Mais il les a tous lus. Oh, je suis tellement contente de te voir. Salut, Joséphine. Salut, ma choupette. J'ai dit à maman pour les étoiles filantes, mais pas pour ta magie. Ah ben, heureusement, parce que ça, c'est notre secret. Et quand est-ce qu'on la décore, ma chambre? Bah, attends, viens juste d'arriver. Non, j'ai pas perdu de temps vous attendant. J'ai commencé la décoration de la chambre de Zoé. Et t'as mis des vrais poissons? Bien sûr. Tu veux aller voir? Oui. Emma, j'ai oublié la poiscaille. Merci pour les livres. Fallait pas, j'aurais pu m'en occuper. T'en prie, il y avait que 5 cartons. Ah oui. Attendez-moi, papa, c'est moi qui lui montre.
Attention, attention, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Tu peux les ouvrir. Oh, wow! C'est trop beau! Comment t'as fait ça? C'est rien, ça, juste un peu de déco. C'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Bon, t'oublieras pas de leur donner à manger, hein, par contre. Oui, t'es trop magique. T'as vu comme ils sont beaux? Faut que tu leur trouves des prénoms. T'as fait des folies. Non, j'ai un copain poissonnier. Mais non, je vais l'appeler Titus. Et le rouge? Ils sont trop beaux tous les quatre, une vraie famille. Je sens qu'ils vont être bien dans cette maison. Par contre, moi... Joséphine. T'es d'accord? Joséphine? Joséphine? Possible. Too many things.